Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. C'est toujours un honneur pour moi de vous savoir nombreux ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, l'Allemagne vient de faire une déclaration concernant l'Ukraine, une déclaration très surprenante. C'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez. Oui, vous êtes à Douala, soyez salués. Vous êtes à Libreville, soyez salués. Vous êtes à N'Djamena, soyez salués. Vous êtes à New York, soyez salués. Vous êtes en France, à Paris, soyez salués. Vous êtes en Allemagne, où que vous soyez, soyez salués depuis vos positions respectives. C'est le week-end, mais surtout, c'est la fête de l'OUA ou de l'UA, l'Union africaine. Bon, jusque-là, on ne sait pas ce que l'Union africaine a pu accoucher, qui soit une belle chose pour l'Afrique, qui puisse nous pousser à célébrer cette institution. Mais bref, joyeuse fête de l'OUA ou de l'UA, voilà, on y reviendra. Mes chères dames, chers messieurs, la nouvelle déclaration que l'Allemagne vient de faire est une déclaration très surprenante et qui montre à suffisance que le président Volodymyr Zelensky, chaque jour que Dieu fait, il est en train d'être abandonné à son triste sort. Chaque jour que Dieu fait. Pendant ce temps, la Russie est en train de procéder à des percées. L'Allemagne fait une déclaration à travers Olaf Scholz, le chancelier allemand. Cette déclaration, encore une fois, n'est pas en faveur de Volodymyr Zelensky. Et on se demande que deviendra l'Ukraine. Sachant que l'Allemagne est un des piliers de l'OTAN en matière d'assistance militaire et assistance financière par rapport à l'Ukraine. Qu'est-ce que ce monsieur dit? Olaf Scholz. En conclusion, globalement, il dit que l'Allemagne a atteint la limite en matière d'aide à l'Ukraine. L'Allemagne a atteint la limite en matière d'aide à l'Ukraine. Mais il précise. Voici les précisions qu'il donne. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, partagez cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la. Mettez surtout beaucoup de j'aime. Oui, j'aime ça. Mettez beaucoup de j'aime. Voilà. Donc, il dit ceci. Nous avons vraiment poussé cette assistance jusqu'à la limite. Oui. Nous avons vraiment poussé cette assistance jusqu'à la limite. Pour lui, l'Allemagne a atteint la limite, c'est-à-dire le seuil intolérable, impitoyable et impardonnable de l'aide. L'Allemagne a atteint ça. Mais quel est ce seuil? Olaf Scholz ne va pas se taire, il continue. Il dit « Notre responsabilité est d'aider l'Ukraine dans sa lutte défensive. Notre responsabilité est d'aider l'Ukraine dans sa lutte défensive. » Ça veut dire quoi autrement? L'Ukraine, la lutte défensive, c'est quoi? L'Ukraine cherche à se défendre. Oui, ils doivent aider l'Ukraine dans sa lutte qui consiste, n'est-ce pas, au fait pour l'Ukraine de se défendre. Mais pas une lutte offensive. Donc, vous voyez la différence? Désolé, il fait très chaud dans le studio. On n'a pas de courant actuellement. Donc, vous voyez la différence entre lutte défensive et lutte offensive? Comprendre cette différence permet de comprendre l'enjeu actuel de la déclaration de l'Allemagne. Attention, lutte défensive, c'est le fait pour l'Allemagne d'aider l'Ukraine à se défendre, à se protéger, à protéger son territoire. Mais lutte offensive, ça c'est aller sur le terrain russe, faire la même chose que la Russie est en train de faire, n'est-ce pas, en Ukraine. Donc, pour ce faire, il dit quoi? Ça c'est la véritable peur. Partagez-moi cette vidéoconférence. C'est la véritable peur. Il dit quoi? Il dit... Notre responsabilité est d'aider l'Ukraine dans sa lutte défensive en évitant que le conflit ne se transforme en une guerre entre la Fédération de Russie et l'OTAN. Il a lâché le mot. Je vous ai dit que ces gens-là ont peur. Ils ont très peur. Et ils ne cachent pas leurs sentiments. Ils ne veulent pas que le conflit se transforme en une guerre entre la Russie et la Fédération de Russie et l'OTAN. Puisque quand c'est comme ça, c'est pas bon pour eux. Alors pourquoi ils parlent de lutte défensive? Oui, parce que il y a des théories
qui sont sortis récemment, il y a Volodymyr Zelensky qui a demandé officiellement à ce qu'on l'autorise, il a demandé à l'Amérique de l'autoriser d'utiliser ses armes sur le territoire russe. L'Amérique a donné son accord, son feu vert. Et c'est à partir de là que les autres pays membres de l'OTAN comprennent que la situation devient très grave. On avait eu à parler de cela ici, puisque la Russie aussi a répondu. Quand le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait dit, je crois que c'était lui, un haut placé de l'administration Joe Biden avait autorisé l'Ukraine, la France aussi est venue en rajouter en disant, bon, vous pouvez utiliser les armes qu'on vous donne comme bon vous semble. Donc beaucoup de pays de l'OTAN ont commencé à avoir peur. C'est le cas de l'Allemagne. Parce que la Russie avait répondu, la Russie avait dit qu'elle prenait note. Mais tout pays dont les armements seront utilisés pour toucher son sol, que ce pays sache que désormais ce pays aussi fait partie du conflit. Ouais. Et en le disant, la Russie se prépare, la Russie met en service son plus grand missile intercontinental, le missile mer-sol qu'on appelle Bulava. Et ça, comme si tout cela ne suffisait pas, la Russie sort pour faire une démonstration militaire, n'est-ce pas, un exercice militaire juste à côté de l'Ukraine. Donc, l'Allemagne a peur. L'Allemagne dit carrément, c'est une manière de dire que l'Allemagne lave ses mains, elle a atteint le seuil de ses limites. Ce qu'elle pouvait faire en termes d'aide à l'Ukraine, ça a été déjà fait. Et si elle va continuer à aider l'Ukraine, en tout cas, que l'Ukraine sache que l'Allemagne a atteint les limites. Voilà. Et que l'objectif de l'Allemagne, lorsque l'Allemagne aidait l'Ukraine, c'était pour aider l'Ukraine à être dans une lutte défensive, pas dans une lutte pour aller provoquer l'autre. C'est ça le résumé de ce que l'Allemagne dit. Bon, mais comme ces gens de la diplomatie, là, ces diplomates-là, quand ils parlent, ils peuvent dire quelque chose aujourd'hui. Demain encore, ils redisent tout à fait le contraire. Ça dépend de la géopolitique. Lorsque ça bouge par là, ils prennent telle position. Lorsque ça bouge par là, ils prennent telle position. Ils peuvent, ce qu'ils ont dit aujourd'hui, demain, ils remettent en cause et puis ils disent carrément le contraire et ils font le contraire. Mais pour le moment, nous aussi, on se limite à présenter ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Ils ont simplement peur. C'est de cela qu'il s'agit. Et ça, ça devient un véritable souci pour Volodymyr Zelensky. Puisque quand l'Allemagne parle comme ça, ça veut dire l'Allemagne ne veut plus aider l'Ukraine. Parce que chacun cherche à sauver sa tête. L'Allemagne a peur. Pas que l'Allemagne n'a plus les moyens, mais si l'Allemagne envoie les armes. Et Zelensky, toute sa pensée actuellement, c'est comment utiliser ses armes sur le sol russe. Or, la Russie est assise toute prête, avec tous ses alliés. La Corée du Nord, d'ailleurs, on n'en parle pas. Le monsieur même de la Corée du Nord, chaque jour que Dieu fait, il prie Dieu pour qu'un seul missile balistique passe dans son ciel, pour que lui aussi soit mêlé à la danse. Parce que tellement qu'il a créé des armes, et malheureusement, il n'a pas où les utiliser. Alors, chers dames, chers messieurs, voici l'essentiel de ce que l'Allemagne vient de dire. Merci donc de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.